Et oui, c'est vrai que c'est les 27e. Bon, en 2021, on n'a pas pu les faire parce que, ben, cause de problèmes sanitaires. Donc j'espère que cette année, le monde va répondre présent pour ces 27e foulées qui auront lieu le dimanche 13 mars à la plaine des sports du Sourdis. Il y a trois distances, il y a un 5 km, il y a un 10 km et la nouveauté de cette année, il y a un relais 2 x 5. Donc tout le monde part en même temps, c'est le départ est à 10 h pour tout le monde. Donc le 5 km fait un tour, parce que la boucle fait que 5 km. Donc après les relais, premier relais part à 10 h et attend le deuxième relais à passer pour repartir sur le deuxième tour. C'est le même parcours depuis, ça va faire 5 ans qu'on est à la plaine des sports. On espère changer dans les années à venir, mais on va aller jusqu'aux 30 ans, puis après on verra. Donc pour les enfants, il y a une course à partir de 11 h 15. Alors école d'athlée, ils font une toute petite course sans chronométrage, si on n'a pas le droit de les chronométrer. Donc ils font 900 mètres. Après, il y a une course pour les poussins qui font 2 tours, donc ils font 1800 mètres. Et une course pour les benjamins, ils font 2005 à peu près, 2,5 km. Les gens de Luçon, ils attendent cette course. C'est une des premières courses de l'année. Donc même au niveau des clubs de Vendée, c'est indiqué. Il y a la saison de crosse et les gens repartent sur les courses sur route. Et après une saison de crosse, les gens aiment bien faire un 10 km sur route. Et après, ils s'engagent sur les semi-marathons, comme le semi-marathon de La Rochelle, qui est 8 jours après les foulées. On peut s'inscrire avec un bulletin qu'on peut télécharger sur le blog du CAL. On peut s'inscrire en ligne, on a une inscription en ligne. On peut s'inscrire le samedi matin, c'est le samedi matin et le dimanche matin sur place. Et le samedi matin, on peut s'inscrire parce qu'on va remettre les dossards au magasin Intersport toute la journée de 10 h à 18 h. Donc les gens qui veulent s'inscrire encore le samedi peuvent venir s'inscrire le samedi encore au magasin Intersport. Et on peut retirer le dimanche matin les dossards sur le point de la course et on peut s'inscrire encore sur place jusqu'à une demi-heure avant le départ de la course.